Eh bien, salut à tous et à tous les amis, les électorms, et on se retrouve avec Carl the Creeper, mon nouvel ami, pour une petite série avec lui. Donc, comment ça va, Carl? Ok, je m'en vais, c'est totalement la solitude, non, je rigole. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de The Minis Games. Oui, je cherchais un peu le nom de la série. Ça fait tellement longtemps que je ne vous ai pas fait de vidéo. Pour un numéro spécial Skywars, je vais vous faire découvrir mes deux Skywars préférés. Tout d'abord sur le serveur Mindplant, que j'olienne dans le ciel. Le serveur totalement tout refait. Ainsi que le serveur HiveMC que vous connaissez certainement. D'ailleurs celui-là aussi, excusez-moi pour les bruits de micro. Donc, pourquoi je suis avec Carl the Creeper? En fait, c'est un nouveau truc qu'ils ont inventé, Mindplex, qui est vraiment super génial. Ça peut vous faire gagner plein de coins et plein de gems. D'ailleurs, hier, j'avais 1000 coins et je me suis acheté un old chest que je vais vous ouvrir en vidéo hier, normalement en The Minis Games. Le problème, c'est que la vidéo a foiré et donc du coup ça m'a un peu énervé, donc c'est pour ça que j'ai reporté la vidéo au lendemain. Mais j'avais gagné pas grand chose à part un disque. Voilà, j'avais gagné ce disque. Voilà. Et aujourd'hui on va parler donc avec Carl the Creeper. Donc tu peux nous faire gagner des choses en votant sur Mindplex, où chaque jour vous pouvez avoir des petits trucs là. Si je clique ici, je vais avoir 100 coins, 100 gemmes et 250 expériences. Regardez, hop, c'est magique. C'est facile. C'est tout simple. Et après, ensuite, il faut voter. Alors là, je vais faire une petite coupure. Et là, vous pouvez gagner 400 gemmes et un quart in ticket. Donc, il vous faudra, en gros, peut-être gagner des choses assez intéressantes. Donc, cliquez là. Et ensuite, vous devez cliquer sur le petit lien pour voter. Donc, c'est parti. Petite ellipse, le temps que je vote. Et voilà, j'ai voté, vous voyez, j'ai gagné 420 gemmes et un Carl Spinner Ticket. Donc, oula, ça met un peu de temps à venir apparemment. Il recevait 420 gemmes. Là, mes gemmes n'ont pas chargé. Bon, c'est bizarre, mais normalement, est-ce que voilà, j'ai mon ticket, on s'en fout. On s'en fout des gemmes, je veux mon ticket, le ticket, regardez ce que ça fait. Ça va peut-être un peu laguer. Alors, j'ai pas encore compris. En gros, c'est une espèce de roulotte. Alors je sais pas trop comment ça se passe, s'il faut attendre ou pas. Parce que la dernière fois, je crois que j'avais bugué. J'ai gagné quoi? 3722 expériences. Ok, c'est pas trop mal. Mais par contre, je ne sais pas à quoi ça sert les expériences, c'est ça qui est con. À quoi ça sert? Je ne sais pas trop, si vous savez, dites-le moi. Parce que moi, je ne sais pas. Ça se trouve, ça me peut faire gagner plein de choses. Donc, si vous voulez jouer un Skywars, c'est très simple. Vous cliquez sur la boussole, puis la plume. Ensuite, vous choisissez si vous voulez être en équipe ou en solo. Et puis, vous cliquez sur une partie. Et le chiffre en bas à droite de l'émeraude indique le nombre de joueurs. Donc, je vous conseille de prendre le plus gros chiffre, parce que du coup, la partie durera, enfin, l'attente là durera moins longtemps. Donc, il y a 4 kits. Moi, j'ai acheté Mad Scientist, c'est 2000 gemmes. Il sert en fait, vous avez à partir toutes les minutes un œuf qui vous fera spawn un zombie. En gros, vous pourrez lancer cet œuf sur les îles adverses et ça fera spawn un zombie. Donc, il y a différentes maps, il doit en avoir 3-4. Là, on est sur une espèce de map forêt. Je sais pas, ça doit être la map de base, je pense. Il y a des coffres, donc voilà. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le Skywars, c'est une espèce de bataille dans le ciel, on va dire ça comme ça. Le but est de soit tuer les gens, soit les faire tomber dans le vide. Hop, des pampières. Voilà, des bottes en or. C'est plus efficace qu'en cuir. Sachant qu'ici, les minerais, voilà, se transforment direct en lagos. Pas besoin de les cuire. Hop, est-ce que j'ai du bois? Oui, on va faire des sticks en espérant qu'il n'y a personne qui vienne en ce moment. Donc voilà, c'est bon. Voilà, on va essayer de faire tomber des gens. Oh, j'ai du diamant, moi. Je l'ai même pas vu. Ah bah cool, bah je vais me faire une épingle diamant. Ah ça c'est cool. Donc particularité de Skywars, à partir d'un moment,
partir de quelques minutes, ben voilà, j'ai eu mon œuf. Les îles ont commencé à tomber petit à petit, donc c'est pour ça qu'il faut aller se rapprocher du centre pour pas que vous tombiez. Donc voilà, j'ai eu mon œuf. Je vais vous faire voir ce que ça fait. Pas tout de suite, parce que j'aimerais que quelqu'un fasse un pont pour qu'il puisse tomber. Enfin, pas grave, regardez, pouf! Et bah, ça a complètement bugué. Ah non, on le voit pas beaucoup, mais en fait, ça fait pop un zombie dans sa cage. Dans sa petite, enfin, là où il était. Dans sa petite grotte. Ok, ok, donc on va essayer de se rapprocher du centre pendant qu'il y a personne qui nous voit. Ah, attendez, je crois qu'il y a un mec qui traverse là-bas. Alors vous savez très bien mes qualités de tireur. Enfin, lors d'un Skywars, mais j'ai supprimé la vidéo. Enfin, c'est plus le cas maintenant. Ah bah c'est bon, je l'ai fait tomber. Bah cool. Regardez, hop. Ça va être marqué sauf si la rage quitte. Voilà. Ah bah non, même pas. Ça dit même pas que j'ai tué. Ok, si tu veux. C'est pas très grave. Ok, ok. Bon, on va essayer de continuer d'avancer. Par contre, j'ai que des bottes, c'est ça qui est chiant. C'est qu'en niveau armure, j'ai une épée, ça va, mais des bottes, voilà, c'est limite. Ah, j'ai encore eu mon zombie. J'aimerais bien vous faire voir. Regardez, on va le faire pop encore chez lui. Ou où c'est que je peux le faire pop? Là, regardez, hop. Voilà, ça, là on l'a bien vu. Ça fait pop un zombie. Allez, attaque-le, attaque-le, attaque-le. Fais-le tomber dans le vide. Oui, il a réussi mon zombie. GG. Ah, trop content. Oui, effectivement, ça ne marque pas que c'est moi qui l'ai tué. C'est assez dommage, parce que là, en gros, j'aurais fait 2 kills. Ok, c'est bon. Je suis sur une île intermédiaire. Oh, cool. Des Ender Pearls, ça c'est cool. Voilà, regardez là, les îles ont commencé à tomber. Vous voyez là, les blocs tombent. Donc en fait, si vous ne vous dépêchez pas, vous êtes un peu mort. On va essayer d'aller là-haut. Ah mince, c'est vrai. J'ai sneaké. Il faut pas sneaker. Ok, ok, ok. Lui, on va essayer de le tuer. Ah merde. Oh, il est tombé. Oh, mon zombie. Mais hey, mes zombies, ils sont vachement forts, et donc... Ah, oh, c'est cool. Ok, on n'est plus que... Ok. On est dans les derniers. C'est assez cool. Oh, merde. Ok, j'ai lancé des TNT. Je peux lancer des TNT. C'est ça qui est assez particulier aussi. Il y a un truc rouge qui fait pop des TNT. Oh! What? What? C'est quoi cette partie? On n'est plus que deux. Faut que je me cache, sinon il va me buter. Bon, ok, il a gagné. Bon, GG à lui. Je suis arrivé deuxième. Vous avez vu que j'ai bien joué. J'ai fait 3-4 kills. C'est vraiment cool. Deuxième, ouais, bien joué à lui. De toute façon, moi, j'avais des bottes en plus, donc c'est vraiment cool. Hop là, on va rester un peu, parce qu'en fait, vous voyez, dans les parties, si vous restez un peu, on va voir ça, on peut gagner des choses. Donc on va attendre. Voilà, c'est Santio, lui là, regardez là, dans le chat, il a gagné 46 paintball. Ok, donc maintenant on va passer sur le Skyward de RMC, ça c'était une bonne partie. Et j'en suis super content. Nous voilà sur le serveur RMC, comme l'indique le titre qui vient de s'afficher à l'écran. Donc l'IP va apparaître pour ceux
qui voudrait jouer dessus. Donc pour aller dans l'or Skywars, faut cliquer sur le diamant. Mais pourquoi un diamant pour un Skywars? C'est pas logique. Parce que ce Skywars, il est vraiment bizarre. Vous allez voir ça. C'est pas mon Skywars préféré, c'est vraiment celui de IVMC, mon préféré. Je trouve qu'il est sympa. Mais celui-là, oh j'ai un crédit. Ah oui. Il est juste vraiment, je trouve, génial en originalité. Mais c'est pas celui que je préfère. Donc hop, on va essayer de choper une partie. C'est pas très... c'est assez difficile ici parce qu'il y a des gens qui peuvent vous virer, c'est les VIP. Et on va voter pour la 4. Parce qu'ici, on peut voter. Bon, je vous reprends du coup. Quand on aura commencé, enfin, oh peut-être pas, ça commence dans 10 secondes. Et je vais pouvoir prendre un petit screenshot. Là, de ma petite... de ma petite miniature parce que la map est vraiment super belle. Et normalement, c'est celle pour laquelle j'ai voté. Voilà. Regardez la map, elle est vraiment géniale. Elle est juste super belle et ça vaut bien un petit screenshot. Donc vous allez voir pourquoi c'est original. Donc j'attends juste que la barrière s'en aille. Ça va mettre un peu de temps. Et donc vous allez voir pourquoi, regardez, en fait, les minerais peuvent vous donner des choses. Là, ce minerai m'a donné des cœurs en plus. C'est vraiment une map géniale, c'est un peu chance ou malchance. Regardez, le fer, il va me donner des choses. Il m'a donné, oh, 2 diamants et 6 flèches. Oh là, il y a un coffre avec des choses aussi. Hop, donc là, ça commence. On va prendre le petit screenshot. Voilà, bonne chance, hein, c'est vraiment le thème. Attention, normalement, il a été pris. Voilà, j'espère qu'il a été pris. Alors, une partie comme ça, je crois que j'en ai déjà gagné une. Un Skywars, ici. Pas mal, ça. Le problème c'est que ça dure en fait, pourquoi j'aime pas, ça dure souvent hyper longtemps. Ces parties sont très longues, généralement. Hop, du lapis, ça me donne de l'expérience. Ah non, ça me donne des effets de potion, soit malchance, soit chanceux, soit malchanceux. Là, on n'a pas eu de chance, comme vous pouvez le voir, poison. Ouh, là on a de la chance. Ok... pas trop mal. Alors, 11 secondes. Il y a beaucoup d'or. Le plus chanceux, c'est le diamant parce que ça vous donne des objets en diamant. Ouais, bah ça me donne toujours la même chose pour l'instant. J'aimerais bien avoir des sticks. Ah, mais je suis bête. Ah, attendez. Est-ce que je vais avoir un cœur en plus ou en moins? En plus, en plus. Oh, en plus. Allez, 2 cœurs déjà en plus. Oh, il y a de l'émeraude en dessous. Ouais, c'est ça qui vous donne de l'expérience. Je me suis trompé. On va prendre du bois parce qu'il y en a. Tout simplement pour faire des sticks et pour me faire une épée en diamant. Au cas où. On est déjà plus que 6, hein. Ça va assez vite parce qu'il y a des gens qui tombent. Voilà, je trouve que en fait ce Skywars est vraiment hyper original. Il est vraiment super bien fait avec les minerais et tout. Le fait que ça ne soit pas avec des coffres et tout. Mais le seul vraiment, le gros bémol, c'est que c'est des parties durent très longtemps. Il faudrait qu'ils inventent un truc pour qu'on se rapproche. Par exemple, à partir d'un moment, voilà. Un deathmatch, donc on soit tous rassemblés au spawn et on doit se battre avec ce qu'on a eu. Donc vous voyez, là j'ai eu du diamant. Ça va me donner quelque chose, un diamant. Et là, c'est une pioche, pas mal. Je vais la prendre avec moi. On n'y voit rien. On n'y voyait rien, c'est cool. Encore du diamant. Généralement, j'arrive à me mettre full diams. Regardez, déjà des bottes. J'aimerais bien un plastron. Bah voilà, qui demande là. Attends, ça se dit pas, cet écran qui demande là. Je sais pas du genre ça. Un casque. Et puis finalement, je vais vite arriver à être full diams. Ah, j'ai perdu un cœur, par là. On peut pas tout le temps être chanceux. Régénération. Ah, cool. Encore une pioche. On voit pas grand-chose. Le problème, ah, si j'ai des torches. Je vous éclaire un peu parce que vous devez rien voir. Si vous êtes resté, d'ailleurs, juste là. En passant, je vous remercie vraiment pour votre fidélité. C'est-à-dire qu'il y a vraiment
Bah, vous êtes pas... Vous avez vraiment compris que j'étais parti en vacances et personne n'est parti, enfin, de la chaîne. Ah, je suis Full Diams. Ah, ça, c'est cool. Ça, ça fait plaisir. Full Diams. Moi, je peux déjà commencer à rush, hein, si je veux. Encore régénération. Alors, il me faudrait juste un arc. Bah, je peux me faire un arc. Et des flèches. C'est tout ce que je demande, un arc et des flèches. Enfin, j'en ai déjà demandé un peu trop, je suis déjà Full Diams. Oh merde, ça c'était un malchanceux. Ok, j'ai eu de la chance, Creeper n'a pas explosé. Il a réagi assez bizarrement, d'ailleurs. Ok, je vais me faire un petit arc. J'aimerais juste avoir quelques flèches. Parce qu'un arc sans flèche est complètement débile. Ah mais j'en ai des flèches. Moi qui suis débile. Ok bon, je ne sais pas si on va rush tout de suite. On n'est plus que 5. Enfin, on va essayer pour que la vidéo ne dure pas trop longtemps. De rush. J'ai une table d'enchantement d'ailleurs. Si je veux enchanter. J'ai mis du temps à trouver le bon trou. Non, je pense pas. D'ailleurs, ça, il faut que je le garde avec moi. La potion. Parce que elle peut tout changer. Enfin, généralement, quand j'utilise des potions, je me tue moi-même avec. Donc, oh, là-bas. Alors, si je l'ai. Oh! Et je l'ai eu quand même, hein. Je l'ai quand même eu. Alors ça, c'était bien joué de ma part. Je l'ai quand même eu, mais au mauvais moment. C'est ça qui est chiant. Hop, hop, hop. Hop. J'essaie de voir si je pourrais pas avoir quelques flèches en plus. Mais là, je vais tout faire, hein. Ça va vite finir. Enfin, quand je dis ça, c'est-à-dire que j'ai bientôt... Oh, un seau d'eau. Ça, c'est cool. J'ai bientôt fait tous les minerais, je pense. Ça, on s'en fout. J'ai beaucoup de chance, généralement. Il y a des creepers aussi. Mais là, non. Allez, des flèches. Des poissons. Dommage resistant. Oh, ça c'est cool. Oh, j'ai trop de diamants maintenant, ils s'en foutent complètement. Bon ouais, hein. Je pense que on va rusher au milieu. Tant pis pour les flèches. D'ailleurs, au milieu, vous avez vu qu'il y a Mystery Chest et Topen. En fait, au milieu, au centre du centre, à l'île du centre, il y a un coffre au trésor, on va dire ça comme ça, qui est ouvert toutes des secondes, enfin, des secondes précises, toutes les 2, 3, 3, 4 minutes, je crois. Et en fait, il est là, vous voyez, c'est lui, le fameux chest. Et donc, il sert, il y a des choses intéressantes dedans. On est plus que 3. Donc je suis certifié d'être troisième. Oh merde, il m'a touché avec une flèche. Bon bah voilà. Comment mourir très vite. Bon voilà, je vous aurais fait voir en tout cas tous les petits Skywars. Bah sur... je sais pas qui m'a visé. Bah tous mes petits Skywars préférés. C'était spécial Skywars. Je voulais vraiment vous montrer ce Skywars parce qu'il est assez original. On peut passer beaucoup de temps dessus. Et puis donc voilà, et je vous dis bah tout simplement à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut tout le monde, c'était Zelectorm. Zelectorm pourquoi? Boum, coup de tête, coup de boule, on finit avec un coup de boule. Allez, c'était Zelectorm et ses petits Skywars. Allez, bye tout le monde.